Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là pour vous présenter ce qu'on fait sur la localisation en intérieur avec mon collègue Quentin qui est ici. Donc, on est tous les deux enseignants à l'IUT de Blagnac et chercheurs à l'IRIT. Donc, l'IRIT, c'est l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Et voilà, et donc aujourd'hui, on va vous parler de localisation indoor. Puisque ben finalement, aujourd'hui, nos objets connectés qui envoient et reçoivent des signaux par la radio sont également capables de tirer profit de ces signaux pour parvenir à se localiser dans l'environnement sans avoir bien sûr besoin d'un GPS ou d'un équipement dédié à la géolocalisation. Voilà, donc on va commencer cette présentation par une démonstration, on terminera par une démonstration. Donc la démonstration d'ouverture, c'est celle-ci. On a ici, je vais mettre derrière, on a deux prototypes d'objets connectés, un là-bas et un ici. Et en fait, ces deux objets connectés font un ping, hein, c'est-à-dire que l'objet qui est là-bas demande à celui-ci, est-ce que tu m'entends? Et celui-ci répond en disant, oui, c'est bon, je t'entends. Et en fait, par ces messages ping qui sont envoyés et reçus par les différents objets connectés, eh bien celui qui est là-bas, celui qui est à gauche, est capable d'estimer la distance qui le sépare du deuxième objet connecté. Voilà. Et comme il pilote un ruban à LED adressable, eh bien il allume en blanc la LED qu'il estime être la plus proche du deuxième objet connecté. Voilà. Donc ça marche relativement bien. C'est ici une localisation en une dimension, ce n'est pas de la 2D, ce n'est pas de la 3D, c'est de la 1D. La dimension est en fait la droite imaginaire qui passe par les deux antennes, hein, tout simplement. Et si on était capable de faire ça avec un deuxième, un troisième, un quatrième objet connecté, ben on pourrait arriver à déterminer une position en 2D ou en 3D. C'est un petit peu le thème de notre présentation. Voilà, donc ce qu'on voit en blanc, donc c'est la position, la distance évaluée. Puis ce qu'on voit en rouge, c'est la rémanence des derniers ranging, ce qu'on appelle un ranging, c'est-à-dire une mesure de distance. Donc bien sûr, si je bouge le nœud, voilà, on voit cette rémanence. Et la rémanence, elle permet aussi de voir ce qui est quelque chose qui est un petit peu homogène à l'écart-type, hein, c'est-à-dire la différence entre le min et le max. On voit que la précision ici est de l'ordre de quelques centimètres. Il y a 1,6 cm entre chaque LED. Voilà, donc ça permet d'avoir une petite idée, en gros, à quelques centimètres de précision. Voilà, donc c'est le thème de notre présentation. Donc je vais commencer par quelques petits éléments de contexte. Ensuite, je vous présenterai un petit panorama des différentes techniques qui existent pour faire de la localisation en passant par les réseaux sans fil. Et en fait, ensuite, on fera un focus sur deux points, le temps de vol radio, la mesure du temps de vol radio, ce qui est en fait ce qu'on vient de voir ici. Et puis, on présentera aussi quelque chose sur les algorithmes de localisation. Puisqu'en fait le problème géométrique n'est pas si trivial que ça, on va le voir. Et puis bien sûr, nous on fait beaucoup d'outils libres, hein, donc je finirai la présentation par la présentation de quelques outils libres, outils logiciels et matériels qu'on a développés dans notre équipe à l'IRIT. Et puis on fera ensuite la grande démo dans la salle. Voilà. Alors le contexte donc c'est le suivant, on considère qu'on a des objets connectés qui sont déployés dans un environnement quelconque, hein. C'est un environnement qui peut être extérieur pour un réseau qui va permettre de surveiller des paramètres environnementaux, ça peut être dans une usine, ça peut être dans un habitat intelligent, peu importe, en fait pour nous le principe c'est d'avoir suffisamment d'objets connectés qui vont s'envoyer et recevoir des messages, okay, et par l'observation de certains paramètres du signal, eh bien, on va essayer de déterminer une localisation, c'est-à-dire un jeu de coordonnées x, y ou x, y, z si on est en 3D, de manière à pouvoir localiser cet objet connecté dans l'environnement. Donc en fait, on veut rendre un service de localisation, on veut être capable de déterminer la position de chaque objet connecté. Pour cela, on va avoir besoin d'algorithmes de localisation, ok, pour rendre ce service de localisation. Et ces algorithmes de localisation, eh bien, il va falloir les alimenter par des données qui proviennent du signal. Alors une première façon de faire, assez simple, c'est ce qu'on appelle les techniques range-free. Les techniques range-free, elles se basent sur des hypothèses de connectivité du réseau. Alors c'est pas très compliqué à comprendre. Si mon téléphone est connecté à une borne Wi-Fi, la portée d'un réseau Wi-Fi en intérieur, c'est 10, 20, 30 mètres, d'accord, guère plus. Donc en fait, si je connais la position de ma borne Wi-Fi, eh bien, je peux dire que mon téléphone ou mon ordinateur connecté en Wi-Fi, eh bien, il est dans un rayon autour de 30 mètres maximum autour de ma borne Wi-Fi.
Okay, ça, c'est les techniques dites range-free, c'est-à-dire elles n'ont pas besoin de connaître explicitement la distance qu'il y a entre l'émetteur et le récepteur. D'accord ? Bon, bien sûr, ce sont des méthodes qui sont peu précises, puisqu'elles permettent en fait une localisation cellulaire, okay, autour de la cellule réseau. Bon, si on a un réseau Wi-Fi sur une entreprise ou un campus avec plein de bornes, ben on saura qu'on est plutôt dans un coin ou l'autre du campus, mais ça ne permet pas une localisation centimétrique comme on l'a vu en introduction, bien entendu. On peut améliorer ces techniques range-free en commençant à s'intéresser à la distance qui sépare l'émetteur du récepteur. C'est ce qu'on appelle les techniques range-based, donc le processus de ranging, c'est le processus de mesure de distance. Okay ? Donc pour les techniques range-based, en fait, on va être capable de collecter des paramètres très géométriques, comme des distances, des angles, et donner ces paramètres géométriques à l'algorithme de localisation, qui va secouer tout ça et qui va être capable de nous déterminer des positions. Donc une première méthode range-based qui est assez connue par le grand public maintenant, c'est les techniques utilisées par eBeacon, qui sont basées sur la force du signal reçu. Donc le principe, en fait, c'est plus je suis près de mon émetteur, plus mon récepteur, plus je suis près de l'émetteur, eh bien, plus je reçois cet émetteur fortement, avec une puissance de réception, un niveau de réception élevé. Okay ? Et donc je peux faire l'hypothèse que je suis proche de cet émetteur. A contrario, si je suis loin de cet émetteur, eh bien, je vais recevoir le signal avec un petit peu moins de force. Mais ça peut aussi être parce que je suis prêt, mais avec un gros obstacle, comme un gros mur, par exemple. Okay ? Et donc, ben, les techniques dites range-based par RSSI, elles vont être gênées justement par les obstacles. Et elles peuvent vraiment introduire une erreur du double, voire même du triple, hein, de la vraie distance. On est à 5 mètres, mais il y a un gros mur entre nous. Donc, je crois que je suis à 15 mètres du nœud émetteur. Donc, c'est pas super précis. Mais là encore, ce sont des techniques qui sont relativement simples à mettre en œuvre parce que ben, le signal radio, le RSSI, la force du signal radio, en général, on la connaît. Le driver nous la remonte, plus ou moins précisément, mais globalement, on en a une idée, hein, donc on peut l'exploiter. Voilà, donc celui qui a bien démocratisé ça, c'est Apple, c'était en 2011, avec donc la proposition de eBeacon qui marche sur Bluetooth BLE. Et qui est, voilà, il y a des petits nœuds eBeacon là, qui sont là en photo. En fait, c'est pas très compliqué. Le module eBeacon émet des balises sur une base, disons, à la seconde. Okay. Et lorsque le récepteur Bluetooth BLE dans l'environnement reçoit cette balise, bien, il estime sa distance en utilisant la force du signal reçu. Voilà. Donc c'est un système qui est assez intéressant parce que bah, du Bluetooth, il y en a partout, quoi. Ouais, donc un téléphone aujourd'hui a du Bluetooth BLE, hein, c'est hyper rare de ne pas en avoir. Donc voilà, on installe une appli et puis on a le petit module émetteur, on installe l'appli sur le récepteur et puis voilà, quoi, c'est réglé. Une autre technique consiste à s'intéresser à l'angle d'arrivée du signal. Alors ça, c'est un peu plus complexe parce qu'il faut une antenne spéciale. Il faut une antenne qui est capable de déterminer la direction de l'émetteur. Tout simplement, c'est un petit peu comme l'oreille de l'être humain. Hein, c'est-à-dire qu'on a deux oreilles et donc on sait que le son provient de par là parce qu'on a un petit retard entre les deux oreilles et le cerveau interprète ça comme ça. Okay, donc le système par angle d'arrivée, le système dit en AOA, fonctionne sur le même principe. Si on a un seul récepteur AOA, on a la direction. Okay ? Si on en a deux, comme c'est le cas sur la figure, ben on fait le croisement des deux angles et on est capable de déterminer la position en 2D. Okay ? Si on a un seul récepteur, mais qui est capable de faire la mesure de distance par la force du signal radio, comme on l'a vu tout à l'heure, si on est capable de combiner les deux, ben avec une seule antenne, on a une idée à peu près assez précise, avec les écueils que j'ai évoqués, de la position de l'équipement qui émet ce message. Okay, donc les techniques qui sont les plus précises, qui permettent d'avoir la meilleure précision, c'est les techniques dites en temps de vol. Donc le time of flight, hein, le temps de vol radio, c'est ce que l'on a vu dans la démo en introduction. C'est-à-dire qu'on va chercher à mesurer le temps que met l'onde radio entre le moment où elle quitte l'émetteur et le moment où elle arrive au niveau du récepteur. Alors bien entendu, on est sur des ondes électromagnétiques, donc ces signaux sont propagés à la vitesse de la lumière.
D'accord? Donc on est en nanosecondes par mètre, ok? Donc c'est vraiment extrême, c'est des temps qui sont vraiment extrêmement courts, et donc il va falloir mesurer ce temps-là relativement précisément. Et si on a si on est capable de déterminer l'instant où part le signal et l'instant où il arrive, eh bien en faisant la différence de ces deux instants, on arrive à calculer le temps de vol. Voilà. Donc les challenges en fait, ben, y en a deux, hein. Il y a premièrement, il faut arriver à matérialiser cet instant qui va servir voilà, de clap pour dire là, le signal vient de partir. Okay, il faut que ce soit un instant très précis, beaucoup plus précis que la nanoseconde, on veut pouvoir mesurer ça. Okay. Et puis pareil, côté récepteur, bien sûr. Alors côté émetteur, ce n'est pas très compliqué. Côté récepteur, le signal il a été dégradé par l'air. Hein, il y a éventuellement plusieurs éléments de signaux qui arrivent avec différents multichemins. Certains ont du retard. D'accord. Donc voilà, ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais bon, voilà, on y arrive. C'est le premier challenge. Et puis le deuxième, voilà, j'ai dit tout à l'heure, il suffit de faire la différence entre le temps d'arrivée et l'instant de départ pour calculer le temps de vol, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'on a deux chronomètres, un côté client, un côté serveur, un côté émetteur, un côté récepteur, et donc il faut arriver à synchroniser ces deux chronomètres, et ça c'est pas évident du tout. Donc si on regarde un petit peu les grands principes pour faire de la mesure de temps de vol, donc le premier protocole, je vais vous en présenter trois, hein, je ne vais pas faire un cours. Le premier protocole, c'est TOA. Donc TOA, c'est celui que je viens d'expliquer là rapidement. Alors on fait du réseau, donc on va considérer qu'on a non plus un émetteur, un récepteur, mais un client et un serveur, puisque tout de même, ils sont tous les deux émetteurs et récepteurs. Le client en fait va envoyer un premier message qui va matérialiser cet instant de départ, et ce message va être reçu par le serveur qui va matérialiser l'instant d'arrivée. Donc ça fait T1 et T2. Okay, c'est la figure qui est tout à fait là-haut. Là. Le serveur répond en donnant l'instant T2, et à ce stade-là, ben, le client est capable de calculer le T2 moins T1. Le problème, c'est qu'il faut que les deux nœuds, client et serveur, soient synchronisés de manière absolue. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient le même T0, il faut qu'ils aient démarré leur compteur en même temps. Okay. Et ça, c'est très compliqué, parce que si on n'a qu'un médium sans fil, si on n'a pas un câble Ethernet ou une solution filaire à côté pour synchroniser les nœuds, eh ben c'est assez compliqué, puisque on veut mesurer le temps de vol par un moyen, et il faudrait aussi synchroniser par ce même moyen. Donc ce n'est pas forcément très évident. En fait, une façon de régler ce problème, c'est de faire un two-way ranging, c'est-à-dire on va rajouter un message. On a toujours le premier message client-serveur, mais on va rajouter un deuxième message, serveur vers client, qui va matérialiser deux autres estampilles temporelles, deux autres instants, qu'on va appeler ici T3 et T4. Okay, T3, c'est l'instant de départ côté serveur, et T4, c'est l'instant d'arrivée côté client. Et en fait, en faisant ce two-way ranging, c'est-à-dire en faisant cet aller-retour, et en considérant que le temps de vol est le même à l'aller et au retour, ce qui n'est pas vrai, en général, mais c'est pas grave, c'est une hypothèse simplificatrice qui va faire que ça va marcher, eh bien, on est capable de faire la mesure du temps de vol sans avoir cette synchronisation absolue. C'est-à-dire qu'en fait, la synchronisation, elle est éphémère, elle est juste là, le temps du two-way ranging, en faisant cette soustraction T4 moins T1 moins T3 moins T2. Et donc, on a enlevé la difficulté de la synchronisation. Et c'est ce qui marche ici sur le petit rail en plastique, la démo qu'on a vue tout à l'heure, c'est two-way ranging. Le problème de two-way ranging, c'est que côté client et côté serveur, on a deux horloges différentes, puisque c'est deux systèmes électroniques différents, d'accord ? Et forcément, il y en a un qui va plus vite que l'autre. Forcément, les deux compteurs ne vont pas rigoureusement à la même vitesse, c'est-à-dire que la nanoseconde côté client n'est pas exactement la nanoseconde côté serveur. Et donc, on a un problème qui peut apparaître, qu'on ne voit pas ici parce que j'ai calibré à la main le truc en les positionnant bien comme il faut au départ. Okay. Mais on a ce problème-là qui peut apparaître. Donc on a un troisième et dernier protocole qui permet de gérer ça. Et je m'arrêterai là parce que ça va finir par être un petit peu compliqué. En fait, on va faire du symétrique TWR, c'est-à-dire qu'on va faire deux TWR tête-bêche, vous voyez, un dans un sens et l'autre dans l'autre. T1, T2, T3, T4, c'est le premier TWR. Et puis T3, T4, T5, T6, c'est un deuxième TWR, mais vous voyez, dans l'autre sens. Et en fait, par cette compensation de un temps long, un temps court d'un côté, et un temps court, un temps long de l'autre, on arrive à gommer ces problèmes de fréquences qui sont légèrement différentes. Voilà. Par contre, d'un point de vue réseau, ça commence à devenir consommateur, parce qu'au début, je vous ai dit, c'est un ping. En fait, vous voyez, il y a quatre messages. Donc ça commence à devenir un petit peu...
un petit peu consommateur de bande passante, et en réseau on aime bien quand il n'y a pas beaucoup de messages, parce que ben, ça consomme de l'énergie, ça fait des objets connectés qui durent moins longtemps quand ils sont sur batterie, ça fait des smartphones quoi, en gros. Donc voilà, c'est pas super super intéressant. Donc quelques petits résultats de performance en fait de ranging. Donc là on a une illustration de la précision de ranging en fonction d'une distance entre nœuds. Donc on a sur le graphique là, de 0 à 7, c'est la distance entre les deux nœuds. Donc on les éloigne progressivement jusqu'à 7 mètres. Et puis ce qu'on a en haut, de l'autre côté, sur l'axe vertical, pardon, c'est l'erreur de ranging. Donc on est sur une erreur là en mètres. Donc voilà, on est sur une erreur qui est entre, grosso modo, moins 10 cm et plus 10 cm. Donc ça, c'est avec le protocole TWR. Et puis avec le protocole symétrique, vous voyez, on a fiabilisé un petit peu. On a toujours la même forme bizarroïde là qu'on n'explique pas vraiment, en fait, qui dépend de la géométrie de la salle probablement. Par contre, les points sont un petit peu plus resserrés. On a moins d'erreurs sur l'écart type. Voilà, le gros problème des méthodes par temps de vol radio, c'est les obstacles. Voilà, c'est qu'en fait, si je viens me mettre ici entre les deux antennes. Vous voyez la LED blanche, là, je ne sais pas si tout le monde la voit. Ok, elle s'envole, hein, elle va un peu plus loin. Alors pourquoi ? Bah, tout simplement parce que l'onde va traverser mon corps, et donc soit va être ralentie par un autre matériau que l'air, et donc bah, le temps est allongé, et comme lui ne sait pas que ça traverse un corps, bah, il fait bêtement le traitement avec la vitesse de la lumière, et voilà, ça, du coup il y a un temps qui est plus long, donc une distance qui est plus grande, ou alors parce que le signal a contourné. Les ondes radio peuvent contourner les obstacles et donc faire un petit détour. Elles rebondissent quelque part là sur le tableau, je ne sais où. Et donc, eh bien, le temps de vol est là aussi allongé. Et donc la distance est surestimée. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a une publication qui a parlé de ça. Voilà, sur une distance réelle de 3 mètres, on peut avoir 30 cm d'erreur de surestimation quand ça traverse une porte, par exemple. Bon, c'est le cas le plus défavorable. En réalité, un bon mur en briques dans une vieille ferme toulousaine, là, voilà, là, en terre crue, là, ça augmente vraiment la durée et donc ça surestime vraiment, vraiment la distance. Alors on a fait une manip au laboratoire où on a promené un nœud mobile. Alors sur le plan de la salle, là, c'est le nœud 2F, donc c'est l'objet connecté qui se trouve sur la droite bleue là. Et en fait on l'a déplacé alors qu'il faisait une mesure de la distance avec un nœud qui est dans un coin. Alors justement avec un mur en briques. Ce qu'on voit, le mur là, c'est un gros mur en briques. On le voit un petit peu sur la photo là-haut. Et donc ce que l'on voit, c'est que l'erreur de ranging, c'est la figure du haut là-bas, elle est relativement limitée. Elle est entre plus ou moins 15 cm. Quand on est en ligne de vue, hein, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'obstacle, quand le nœud 2F est dans le coin là-haut, vers les valeurs 7 mètres. Et puis quand on le fait descendre et on le fait rentrer dans la zone avec le damier rouge, là, eh bien on est dans la zone à obstacle et on voit que l'erreur augmente parfois de façon assez importante, hein, jusqu'à 60, 70, 80 cm, avec parfois même des pics à 1 mètre, 1 mètre 20, qu'on n'explique pas vraiment, ils sont ponctuels, c'est peut-être un artefact de la mesure. Mais bon, voilà, donc on voit que le gros problème, en fait, hein, c'est bien le problème de la non-ligne de vue des obstacles qui peuvent apparaître. Donc on va parler un petit peu localisation maintenant. Alors on a mesuré des distances, hein, on a collecté des distances et on va voir comment on peut combiner ces distances de manière à pouvoir déterminer la position du nœud. Merci. Donc, pour revenir sur la chaîne de mesures et de traitement pour arriver à un service de localisation, donc Adrien vient de vous parler du ranging, comment on mesure des distances. Moi, je vais parler un petit peu de l'algorithme de localisation. Comment est-ce qu'on fait pour traduire différentes mesures de distance en une position? Alors, je vais me focaliser ici, parce qu'on n'a pas un temps infini non plus, sur des méthodes de localisation range-based, donc basées sur des mesures de distance, et aussi sur des méthodes distribuées, c'est-à-dire que chaque nœud va essayer d'estimer lui-même sa propre distance à partir des informations qu'il peut mesurer directement. On n'a pas un nœud ou un ordinateur à côté qui aurait connaissance de toutes les mesures de distance. On va à chaque fois résoudre ce problème localement, nœud par nœud. Donc, déjà, Adrien vient de vous montrer comment on mesurait des distances. C'est une des premières entrées de notre algorithme. Maintenant, ces distances, elles sont toujours mesurées entre deux choses. Donc là, on est entre deux modules
ultra-wideband. Donc, on a non seulement une mesure de distance, mais on sait aussi par rapport à quoi on s'est mesuré. Donc, on a aussi connaissance de nos voisins. Et une troisième information qui est extrêmement importante, c'est où sont localisés ces voisins. C'est indispensable pour pouvoir en déduire une position. Et ça, c'est relativement simple à comprendre la nécessité de connaître la position du voisin. C'est typiquement, Adrien oublie souvent où il a posé ses clés et son téléphone dans le labo. S'il me demande où sont ses clés et que je lui réponds à côté du téléphone, ça ne sert à rien pour lui s'il ne sait pas où est son téléphone. C'est le même principe ici, on ne fait pas de magie, on a besoin de savoir par rapport à quoi on se localise, où sont nos points de référence. On comprend tout ça, on va appliquer un algorithme que je vais vous présenter après, et on en sort une position. Donc c'est la position du nœud qui vient de calculer sa position. Et cette position pourra être réutilisée par d'autres nœuds encore, qui vont se servir du nœud nouvellement localisé comme une nouvelle référence. Peut-être qu'ils étaient plus loin que trop loin des points de référence qui connaissaient déjà leur position, et ainsi de suite. On va pouvoir avoir donc un service de localisation complètement distribué dans un réseau qui peut être très étendu. Alors, comment on se localise en connaissant des distances? Déjà, on va imaginer qu'on ait un petit nœud, on vient de s'allumer, on ne sait pas où est-ce qu'on est, donc on peut être partout. Bon, d'accord. On va découvrir un voisin, et ce voisin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on en connaît donc à la fois sa position, donc on est capable de se dire, bon bah, le voisin dans le monde, lui, il est là, et comme on a mesuré une distance, on sait que soi-même on est à une certaine distance de ce voisin, donc c'est-à-dire on est sur un cercle centré sur ce voisin dont le rayon est la distance qu'on vient de mesurer. Donc on est quelque part sur ce cercle. Ce cercle, il peut faire un diamètre qui peut aller jusqu'à une dizaine de mètres de rayon, donc une vingtaine de mètres de diamètre. Le titre de la présentation, c'était « Se localiser à 10 cm près », donc c'est pas encore assez bien. Mais déjà, on sait qu'on n'est pas dans tout le reste de l'univers. Donc, on sait qu'on est au moins quelque part par là. On continue, on va découvrir un second voisin, qu'on va pouvoir, pareil, positionner dans notre représentation du monde, parce qu'on connaît sa position. On a aussi une distance qu'on a mesurée, donc du coup, un deuxième cercle. Et on sait qu'on est donc à la fois sur le premier cercle, celui en bas à gauche, et sur le deuxième. Parce qu'on sait qu'on est à la distance DA du premier point et à la distance DB du second point. Donc il faut qu'on soit sur les deux en même temps. Et les seuls endroits où on peut être sur les deux cercles en même temps, c'est les endroits où les cercles se croisent. Donc du coup, on est soit ici, soit là. Bon, c'est mieux, mais on ne sait toujours pas exactement où est-ce qu'on est. Il y a toujours une incertitude, une indétermination sur la position exacte du nœud. Du coup, on ne va pas changer grand-chose. On va rajouter encore un troisième voisin qu'on va positionner. On va pouvoir tracer un nouveau cercle de ranging. Et là, on sait qu'on est à la fois sur les trois cercles en même temps. Les trois cercles se croisent en un seul point. Du coup, super, on est content. On sait où est-ce qu'on est. Donc ça, déjà, ça illustre un premier élément qui peut être surprenant, c'est quand on est en deux dimensions, on a besoin de trois voisins, de trois mesures de distance. En quatre dimensions, il nous en faut en trois dimensions, il nous en faut quatre. Et en une dimension, il nous en faudrait deux, mais Adrien, il a triché tout à l'heure. Voilà. Autre chose, ça, c'est beau. Mathématiquement, on a un ensemble d'équations exactes. On peut trouver une solution exacte, sauf que vous voyez que là, la petite lumière clignote, elle n'est pas toujours à la même position. On a toujours une erreur sur les mesures. Donc dans la vraie vie, ce qu'on observe, c'est très rarement ça, mais plus souvent quelque chose comme ça, où nos cercles ne se croisent pas en un seul point. Et il devient très compliqué de dire où est-ce que je suis ? Comment est-ce que je fais pour dire je suis alors à l'intersection de deux cercles, mais pourquoi celle-là et pas celle-là? Pourquoi je prends ces deux cercles-là et pas le troisième? Donc, et même si on prend que deux cercles, on a toujours le problème de l'indétermination. Donc du coup, on est obligé de s'éloigner de méthodes qui soient mathématiquement exactes, et on va rentrer donc dans on va commencer à employer des algorithmes du coup qui vont nous donner des solutions qui soient robustes à ces problèmes de mesures qui ne sont pas exactes. Donc moi je vais vous parler d'un seul aujourd'hui, donc qui est un algorithme qui s'appelle Push-Pull Estimation, que je vais appeler PPE parce que c'est plus rapide.
Et donc c'est un algorithme itératif, c'est-à-dire que à chaque tour de l'algorithme, on va améliorer une estimation locale de la position. C'est-à-dire que chaque nœud va se dire, bon, je pense que je suis ici. Donc là, on n'est pas certain, on a un petit point d'interrogation, mais il faut bien partir de quelque part, donc on va dire, bon, je suis ici. Je vais affiner l'estimation de ma position grâce à différentes mesures que je vais pouvoir faire de mon environnement. Donc comme nous, on fait des ranging ici, on représente un ranging comme tout à l'heure, un cercle sur lequel on est censé être, et la position du voisin à partir duquel on a mesuré la distance. Là, on voit que notre estimation n'est pas correcte. On n'est pas sur le cercle. On pourrait se retrouver à n'importe quel point de ce cercle. Et dans l'approche PPE, ce qu'on se dit, c'est on est trop près du voisin. Il faudrait qu'on soit plus loin. Donc du coup, on va s'en éloigner. On va prendre le plus simple. On s'en éloigne tout droit. Donc, le voisin nous repousse. Si maintenant, notre estimation de position nous met hors du cercle, on est trop loin du voisin, donc il faut qu'on s'en rapproche. Donc du coup, c'est comme si on avait une petite force qui nous tirait vers le voisin. Donc ça, c'est le principe avec un seul voisin. Tout à l'heure, on a vu qu'il en fallait au minimum 3 pour pouvoir se localiser. Donc du coup, on va recommencer, mais avec 3. Donc là, je vais dérouler l'algorithme. Vous allez voir comment ça fonctionne. Ce qu'il faut bien vous dire, c'est que ici, donc, on a fait nos trois mesures de distance. Maintenant, tout ce qui se passe uniquement entre guillemets dans la tête du nœud qui essaye de se localiser. On n'a plus d'échange de messages avec les autres, uniquement. Donc là, c'est juste une optimisation qui se fait très rapidement, localement. Donc, on prend le premier voisin, on voit qu'on est à l'intérieur du cercle, donc on est trop proche, il faut s'en éloigner. Donc du coup, on voudrait se diriger dans cette direction. Pour le deuxième voisin, on est en dehors du cercle de ranging, donc du coup on est trop loin, donc il faut se rapprocher de celui-ci. Et pour le troisième voisin, pareil, on est en dehors du cercle de ranging, donc on voudrait se rapprocher de ce voisin. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans l'approche PPE, on fait la somme de ces trois forces, chacun de ces voisins va nous attirer ou repousser. On fait la somme des trois forces, ça nous donne une résultante, et on va se déplacer dans la direction de cette résultante. Hop. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On recommence. Parce que c'est un algorithme itératif. À chaque fois, on va améliorer progressivement sa position jusqu'à arriver à une position finale qu'on considérera comme étant bonne ou meilleure. Donc du coup, on recommence. Hop. On calcule une première force, une deuxième force, une troisième. On fait la somme, on a une résultante, on se déplace dans cette direction. Et ainsi de suite. Bon, là, on va pas tous les faire un par un. On continue jusqu'à arriver à un certain point où quand on va calculer nos trois forces, on va voir qu'elles se compensent. Déjà là, par rapport à tout à l'heure, vous voyez que la longueur des flèches est beaucoup plus petite. C'est que comme on est très proche des cercles de ranging, on va dire on n'est pas très loin, donc on va essayer de s'en rapprocher mais un tout petit peu. Et ce qui est très intéressant là, c'est que les trois flèches pointent dans des directions opposées. Ce qui fait que quand on va faire la somme, on va avoir une force qui est quasiment nulle. Donc on va pouvoir se dire, je suis à un endroit où je suis à peu près aussi éloigné de tous les voisins que je devrais en être. Donc on considère qu'on est arrivé. Ok, quelques mots avant la démo sur quelques outils libres qu'on a développés dans l'équipe. Donc, un premier outil qui est logiciel, qui s'appelle Decaduino, qui est disponible sur GitHub si ça vous intéresse. En fait, tout ce qu'on vous montre aujourd'hui, vous pouvez le reproduire parce que c'est des composants qui sont open source. Hein. Donc voilà, vous pouvez vous amuser avec ça. Donc Decaduino, c'est une librairie qui est intégrée dans l'écosystème Arduino, qui est en fait un driver pour un composant spécifique. Quentin l'a dit, je ne l'ai pas dit au début, j'aurais dû. C'est pas du Wi-Fi, c'est pas du Bluetooth, hein, ce qui tourne ici. C'est une technologie sans fil qu'on appelle l'hyperétalement de spectre, l'UWB. C'est normalisé par l'I3E dans la norme, hop, je l'ai enlevé de ma slide, I3E 802.15.4, c'est-à-dire c'est la même norme que Zigbee,
Je ne sais pas si vous connaissez ces technos, qui est voilà, dans la même famille que Bluetooth, voilà, pour faire assez simple. Et donc c'est une technologie qui est très large fréquentiellement, hein, donc qui occupe un spectre très important. Et quand on est très large dans le spectre, on est très étroit dans le domaine temporel. Ok, et donc on est capable de timestamper, de mesurer ces temps de façon assez précise. Voilà, donc Decaduino, c'est une librairie qui permet de faire le driver pour ce composant, donc pour faire une carte réseau dans l'environnement Arduino disponible pour envoyer et recevoir des messages, et puis pour accéder à ces fameux timers qui permettent de mesurer le temps de vol, qui sont des timers extrêmement précis. Je ne l'ai pas dit non plus tout à l'heure, on est technologiquement là, on est sur un compteur qui pédale à 64 GHz, d'accord, c'est-à-dire qu'il y a un step toutes les 15 picosecondes. Voilà, donc c'est une électronique tout à fait grand public, hein, c'est des modules qui coûtent une vingtaine d'euros, donc c'est vraiment pas très cher. Mais voilà, on est sur des systèmes qui vont quand même assez vite et donc qui consomment un petit peu d'énergie. Pour information, ce matériel, Apple a annoncé qu'il serait dans le prochain iPhone. Voilà, donc on va avoir là d'ici quelques mois Apple qui va sortir des solutions de géolocalisation indoor. On pourra acheter des petits beacons, des petits trucs comme ça. Et puis dans un an, on l'aura sur Samsung et dans deux ans, on l'aura sur Android de façon, je pense, récurrente. Donc voilà, c'est une techno qui sort du laboratoire, mais qui sort pas de chez nous, hein, mais qui était à un stade de laboratoire et qui maintenant commence à vraiment rentrer dans le grand public, autant pour des makers avec Arduino que dans des téléphones. Et Decaduino, c'est le hardware de référence, donc c'est ce petit nœud ici qui est également disponible en open source, en open hardware, voilà, que vous voyez en photo là-haut, qui est un Arduino Teensy avec le transceiver de I3E815-4UWB, donc qu'on voit ici et puis qui dépasse un petit peu là sur la photo. Voilà, donc ça c'est deux premiers éléments. Et puis ensuite, alors c'est plus une plateforme d'expérimentation, c'est notre salle au laboratoire qui est basée sur l'IUT de Blagnac, qui est en fait une plateforme où on peut déployer des protocoles de mesure de temps de vol, on peut également déployer des algorithmes de localisation comme celui que Quentin nous a présenté, que l'on peut évaluer dans l'environnement réel. Et pourquoi je parle de cette plateforme? Parce qu'elle est complètement basée sur des outils libres comme Node-RED par exemple, qui est ici, qui va servir dans la démo tout à l'heure, qui permet d'aller là aussi de façon relativement simple avec des blocs faire du traitement de données, de flow en fait, hein, de flow de données. Donc on a les ranging qui arrivent et puis on peut faire par exemple l'algorithme de localisation dans Node-RED et puis dessiner comme ça des petites interfaces une petite interface graphique web assez plaisante. Je donne un mot aussi, c'est-à-dire que si vous êtes intéressé par ce thème-là, on publie régulièrement des jeux de données, des datasets qu'on a mis aussi sous licence open, sous licence ODBL. Donc on en a deux là, on a deux datasets qui sont disponibles sur nos pages web. Donc si la thématique vous intéresse, mais vous n'avez pas trop envie de mettre les mains dans le cambouis avec de l'Arduino ou quoi, ben vous pouvez récupérer des gros jeux de données avec plein de stampis temporels, des positions réelles, des positions erronées, et puis vous pouvez voilà, vous amuser pour faire des filtres ou même des algorithmes de localisation comme celui que Quentin nous a présenté. Voilà, on a terminé la présentation, on va passer à la démo et puis on ouvre aux questions après, ça vous va? Ou pendant la démo, hein? Ok. Alors la démo, donc on va déployer, on présente la méthode de déploiement? Je ne sais plus. Donc on va aller assez vite. Ouais. Donc en fait, voilà ce qu'on va faire. On va déployer plusieurs nœuds dits ancres, c'est-à-dire des nœuds qui vont servir ensuite de référence pour bâtir le repère. Donc c'est un repère orthonormé ouais, en XY. Donc, je vous mets ici l'interface WEM qui permet de représenter la carte de la salle. Donc la carte va se construire petit à petit. Il faut juste que j'y arrive. Voilà. Hop. Donc je vais me centrer. Comme on ne connaît pas la géométrie de la salle, on va laisser au système le soin de la découvrir tout seul. Alors, il ne saura pas où sont les murs, bien sûr. Mais voilà, on a allumé un premier nœud qui se trouve ici. Donc, c'est 165 que vous voyez en haut à gauche de l'écran. Quentin a allumé un autre nœud là-bas qui s'appelle 166. Donc, il l'a positionné de ce côté-là parce qu'on a fait exprès
de faire l'hypothèse que si on regarde la salle vue de haut, le premier nœud serait à gauche et le deuxième à droite. On a quelques hypothèses quand même pour construire la chose. Et puis on en a un troisième qui est ici et qui s'est localisé. Ici, c'est 167. Voilà. Donc pour vous donner quelques détails techniques, il y a un ranging par seconde par nœud, donc par voisin. Okay, et les distances, elles sont filtrées, sont moyennées sur 10 rangings. Donc ça, si on bouge quelque chose, ça va mettre 10 secondes à se restabiliser puisqu'il y a un ranging par seconde, hein, qui a 10 points en moyenne. Voilà, donc on va faire passer quelques éléments mobiles. Ils sont là en jaune. Maintenant qu'on a construit notre repère, donc là on vient d'allumer 164. Ok, c'est pas mal. Voilà, ouais, vous pouvez vous allez bouger un petit peu, il n'y a pas de souci. 163. Ok. Voilà, c'est quoi? C'est 161, c'est ça? Ouais. Ok. On va en mettre en dehors du repère, hein, il n'y a pas besoin d'être dans le triangle des nœuds, bien entendu. C'est 120? Ok. Qui se trouve bien derrière 167. 159 qui se trouve par là-bas, c'est ça? Ouais, c'est pas trop mal. Voilà. Et 162. Voilà. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez la géométrie de la salle, si vous l'avez bien en tête. Je vais recadrer un petit peu comme ça. Voilà, donc ça bouge un petit peu. Sur les nœuds mobiles, on a une moyenne. Non, on n'a pas de moyenne. Ouais, on n'a pas de moyenne, voilà, c'est ça. Donc là, c'est vraiment instantané. Si vous voyez que ça bagote, bah c'est que l'algorithme des forces, hein, qui a été présenté à l'instant, bagote un petit peu parce que les rangings peuvent bouger, hein, avec la non-ligne de vue, hein, avec les obstacles que vous créez tous, hein, parce que là on fait de la 2D, hein, donc je ne sais pas si vous avez vu, hein, mais ils sont tous dans le même plan, là, un mètre de haut à peu près. Donc bien sûr, vos corps, hein, introduisent des obstacles dans l'environnement, ce qui peut dégrader légèrement la présentation, la localisation. Je vais juste prendre le micro, c'est pour l'enregistrement en fait, hein, pour les questions. Combien d'autonomie de batterie sur les kits là que vous localisez? Alors c'est une très bonne question. Pour l'instant, rien du tout parce que les nœuds sont tout le temps allumés et ils se mettent pas en veille. En fait, la stratégie, hein, dans ce genre de la stratégie énergétique dans ce genre de système, c'est de mettre le nœud en veille lorsque on détermine qu'il ne sert pas. Et donc, voilà, il faut arrêter le processeur, il faut arrêter la carte réseau. La carte réseau consomme beaucoup d'énergie. Le timer à 64 gigas qui est dans le nœud consomme plusieurs dizaines de milliampères, hein, donc plusieurs dizaines, presque une centaine de milliwatts. Hein, donc c'est beaucoup en énergie électrique sur une petite batterie. Donc l'autonomie actuellement, elle est pas bonne. Si on le mettait en veille, on pourrait durer plusieurs jours, plusieurs semaines, ça dépend bien sûr de la taille de la batterie, bien entendu, mais on perdrait en réactivité. C'est-à-dire qu'il faudrait être capable de démarrer rapidement, réveiller rapidement le système lorsqu'il bouge, ce que l'on peut faire avec un accéléromètre par exemple. Il y a un accéléromètre dans chaque équipement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je ne sais pas si vous levez le nœud ou la main pour une question. Les deux, alors allez-y. J'ai une question pour les nuls. Je n'ai pas compris dans votre démonstration sur l'algorithme pourquoi le nœud au départ n'est pas couvert par les trois cercles. Comment la détection peut se faire? Parce qu'on voyait le nœud au départ, vous le mettiez là, il y avait un cercle là, un cercle ici, un cercle là, mais après vous le faisiez bouger, mais comment c'est possible si les trois cercles ne couvrent pas le nœud? Les trois cercles de détection. Ouais. Alors, donc ça c'était une... comment dire? C'est donc dans l'illustration de l'algorithme itératif. C'est ça. C'est que ces algorithmes-là, en fait, ils fonctionnent à chaque fois en améliorant une position. En améliorant une estimation de position. Et il faut bien commencer quelque part. Donc du coup, qu'est-ce qu'on prend comme position initiale? Dans l'exemple dessiné vraiment à la main sur la présentation, je le fais partir là, on peut... C'était vraiment pour illustrer. Si vous voulez, je peux vous montrer aussi autre chose.
Donc là, c'est alors quelque chose de pas fait avec les mains. C'est un petit simulateur que j'ai codé en Python, justement pour avoir des véritables forces et que les sommes des forces soient bien quelque chose de correct. Et là, donc ce qu'on illustre, c'est le fonctionnement de l'algorithme que j'ai décrit tout à l'heure, avec donc voilà, donc ici l'estimation courante de la position et là en fait la position réelle du nœud. Et du coup, pourquoi est-ce que le nœud il commence ici? C'est ça votre question? Non, c'est alors, parce que le point au milieu, justement, c'est au démarrage, le nœud ne sait pas du tout où est-ce qu'il est. Mais il a besoin d'une position initiale pour initialiser son algorithme. Donc là, ce que j'ai fait ici, c'est je dis, bon, bah, j'ai trois voisins, je vais dire que je suis au milieu des trois. Je sais que c'est faux, et je sais que l'algorithme, après, va me permettre d'améliorer cette position-là. Mais j'ai besoin d'une première position. Du coup, c'est pour ça que ici, là, je l'ai initialisé au milieu des nœuds. Donc c'est au centre de gravité du triangle là, décrit par les trois balises. Mais on sait que cette position est fausse, mais il nous en faut une qui soit pas trop déconnante au départ. Hop. Et après, donc, c'est à chaque itération, on va se rapprocher de la position réelle. Donc là, oui, on est complètement en dehors du cercle du nœud qui est en haut à droite. Mais au fur et à mesure des itérations, on va passer dedans, puis on va de nouveau s'en éloigner pour se rapprocher de la position qui nous va bien. Alors, est-ce que j'ai un peu répondu à votre question? Voilà, d'accord. Quand vous êtes lancé dans ce sujet de recherche, pourquoi vous êtes parti sur cette technologie et pas le Bluetooth, le Wi-Fi ou n'importe quelle autre technologie qui est assez connue aujourd'hui? En fait, on pourrait tout à fait adresser d'autres technologies. Celle-là, elle était très intéressante quand on a commencé à travailler dessus il y a 8 ans parce qu'elle était complètement en rupture. Et donc, elle permettait vraiment d'aller explorer des terrains qui étaient complètement vierges d'un point de vue recherche académique, bon, ce qui pour nous était très intéressant. Et c'est souvent comme ça dans la recherche académique, on travaille sur des sujets 15-10 ans en avance. Et puis voilà, c'est aujourd'hui que ça commence à émerger. Maintenant, ce qu'on fait aussi, dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, là, c'est qu'en fait, on cherche à comparer ces technologies-là. Et donc, voilà, là, on est en train de construire justement un comparatif entre ces rangings en temps de vol qui sont très, très précis et du ranging en Bluetooth BLE qui reste quand même aujourd'hui la solution la plus déployée, la plus disponible. Et voilà, et c'est intéressant de voir justement quelles sont les situations dans lesquelles le Bluetooth BLE suffirait largement, parce qu'on n'a pas toujours besoin d'avoir une localisation centimétrique. Une localisation centimétrique, bien souvent, ça ne sert à rien. C'est beaucoup d'énergie et beaucoup de code et d'algorithmes pour pas grand-chose. Quand on a besoin de savoir que le trousseau de clés, il est quelque part sur une table, la dimension de la table, c'est ça peut être 1 mètre, 2 mètres. Hein, donc une localisation au mètre, ça ferait des fois bien la faire. Donc moi, au contraire, dans l'autre sens, ça semble très intéressant, 10 cm de précision, mais est-ce que la technologie permettrait d'aller plus précisément, parce que pour certains usages, par exemple pour des robots ou quoi, ouais. 10 cm c'est bien, mais on peut se prendre une table, quoi. C'est vrai. Est-ce que la technologie permettrait d'être plus précis, ou là, il faut vraiment passer un cap qui est trop difficile actuellement, niveau peut-être des fréquences, ou je ne sais pas. C'est pas une question qui est évidente. En fait, j'ai envie de dire que oui, elle devrait permettre d'arriver. On n'a probablement pas atteint les limites en termes de précision parce qu'on voit que d'un point de vue horloge, la question que j'ai balayée un peu rapidement tout à l'heure, là, en fait, on voit qu'on pourrait certainement corriger les horloges de façon plus précise pour obtenir du coup des erreurs, enfin pour minimiser encore un petit peu plus l'erreur. Mais c'est vraiment pas évident parce qu'il y a beaucoup de contraintes matérielles qui font que pour compenser des horloges, il faut avoir des tops très précis et on est quand même sur des microcontrôleurs qui, même si c'est des Cortex M4, voilà, qui sont quand même c'est des bons microcontrôleurs, mais ils ont quand même pas mal de défauts. On a un bus SPI entre la radio et le processeur qui lui aussi nous met de quelques centaines de microsecondes quand on interroge le transceiver. Voilà, c'est pas évident. J'ai envie de vous répondre oui.
Maintenant, j'ai pas encore la solution, même si vous vous en doutez, on y travaille, ouais, c'est clair. C'est du sans fil, mais il y a des fils quand même. Bonjour. Moi, du coup, j'avais une question sur la partie plutôt initialisation, justement. Quand vous avez allumé un nœud, bon, on a vu qu'il apparaissait sur la map directement, donc sur une position, pour le coup, j'imagine, complètement arbitraire. Ouais. À partir du moment où il y avait un deuxième nœud, il manquait encore un voisin. C'est-à-dire qu'on est parti sur un nœud sans voisin, donc pour se localiser, j'imagine qu'il lançait le protocole, mais qu'il ne pouvait pas vraiment se localiser, donc il est resté à une position fixe. Avec deux voisins, comment il s'en sort? Parce que du coup, les deux commencent à chercher des voisins. Ils n'en trouvent pas forcément et je n'ai pas trop compris comment ils s'initialisaient, comment ils se plaçaient. Alors, les trois premiers nœuds ont un rôle assez particulier. C'est eux qui définissent le plan, en fait. Donc du coup, lui, sa position est définie en dur, c'est 0-0. C'est la référence. D'accord. Et les deux autres servent à définir le plan. Donc ils ont une méthode d'initialisation qui est un peu différente de ce que je vous ai présenté pour les nœuds mobiles. Parce que justement, il faut un moment une référence. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut connaître la position des voisins. Il faut un moment qu'on ait trois voisins, enfin, en 2D, trois éléments dans le réseau qui connaissent leur position. Donc eux, ils vont avoir une initialisation qui est un peu plus compliquée et qui, justement, ne peut fonctionner sans avoir les trois voisins qui sont déjà localisés. Il faut partir de quelque part et du coup, voilà. Donc ça veut dire que si vous déplacez un des nœuds de référence, ça fausse tout le plan qu'on voit. Alors, non. Est-ce que tout tourne encore ? Justement, ces nœuds de référence, leur initialisation spéciale, ils la font en permanence. Ah oui, d'accord. Donc du coup, si on rapproche le nœud qui est là-bas dans le coin... C'est en vrac. C'est en vrac. Bon. ça, on l'a fini hier soir, donc ouais. C'est pas super stable. Mais voilà, donc non, justement, l'idée, c'est qu'ils continuent de se ranger en permanence. Donc si on rapproche le nœud qui est dans le coin là-bas vers moi, on va voir sa représentation qui va évoluer. D'accord, par rapport au 0-0 du coup. Par rapport au 0-0. Mais tous les autres nœuds, justement, vont utiliser la nouvelle position du nœud X qui est là-bas dans le coin. Enfin, qui est dans le coin et qui se rapproche de moi. Et vont quand même recalculer leur position à eux par rapport à cette nouvelle position-là. Ok, et du coup, dans un réseau domestique, finalement, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme point de référence fixe? Parce que si on imagine une espèce de maillage d'objets connectés, etc., même si, admettons, c'est un téléphone portable qui puisse localiser des objets, le téléphone portable lui-même, il bouge, il se déplace dans... Ouais, alors, dans ce cas-là, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des systèmes de réalité virtuelle. Vite fait, ouais. Voilà. Donc, dans certains systèmes, il y a besoin de positionner quelques petites encres. Ah, d'accord. Voilà. Du coup, c'est un peu... Donc, déployer ça dans une maison, ça requerrait quand même de déployer... Donc, au minimum trois nœuds, de dire bon ceux-là ils sont à des endroits on sait qu'ils bougent pas et après tout le reste on le fait à partir de là, mais oui, on a quand même besoin d'une infrastructure, d'une infrastructure qui soit fixe. Être dans un réseau complètement mobile, ça devrait pouvoir marcher, mais après on commence à avoir d'autres problématiques de dynamicité du réseau. C'est si le nœud là-bas se déplace rapidement, plus rapidement que l'estimation est capable de suivre, toutes les positions qui vont être calculées à partir de son estimation de position vont être faussées. Oui. Donc là, on a d'autres problématiques. Techniquement, je ne vois rien qui dise que ce soit impossible, mais algorithmiquement parlant, on n'en est pas encore là. Ouais, d'accord. Okay. Il y a toujours des nœuds fixes dans la maison, hein. Le frigo par exemple. On peut imaginer un frigo connecté, voilà, qui a... Allez. Je cherche. Moi, j'ai une question. En fait, je vois que les nœuds bougent un peu partout. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser... Parce que là, si j'ai bien compris, pour la position, on n'utilise que les trois ancres pour trouver la position. On ne pourrait pas utiliser aussi des autres voisins pour contraindre un peu plus les positionnements pour avoir une position plus stable? Alors, si, exactement. Donc là, on est dans une situation assez simple où tous les nœuds sont déjà emportés direct des ancres. Si on commence à s'éloigner, au bout d'un moment, on va dépasser la portée radio. Donc, une première utilisation de ce que vous êtes en train de dire, c'est d'étendre la portée du réseau au-delà de la portée des ancres. Après, pour améliorer la précision sur la position, la stabilité, ça peut fonctionner. Mais il faut du coup que tous les nœuds soient stables. Donc là,
pour les faire moins sauter, la solution la plus simple, c'est déjà de faire une moyenne sur les mesures ou faire un petit traitement statistique, un filtre médian ou ce qu'on veut. Parce que là, donc, ce qu'on fait, c'est à chaque fois qu'on a une nouvelle mesure de distance, on recalcule une position. Sauf que si cette mesure de distance, elle est faussée de 2 mètres parce que là, il y avait quelqu'un qui passait entre le nœud et la référence à ce moment-là, on va avoir un saut. Ça, déjà, pour éviter les petits sauts des nœuds, ça serait la première chose à faire. Mais au-delà, un intérêt dont je n'ai pas parlé pour l'algorithme PPE, c'est que justement, il se généralise très facilement à beaucoup de références. Donc du coup, on peut exactement imaginer utiliser tous les autres nœuds comme référence. Une fois qu'eux-mêmes sont localisés, peuvent servir de référence à d'autres nœuds. J'ai une autre question. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser aussi des autres, parce qu'aujourd'hui, parce que tous les cartes, microcontrôleurs, ils ont aussi des autres capteurs, comme accélération et tout ça, utiliser ça pour augmenter la mesure aussi? Exactement. Là, du coup, on retombe sur le filtrage. C'est donc chacun des nœuds est équipé d'une centrale inertielle assez rudimentaire. Mais ce que je pourrais faire, c'est dire la centrale inertielle détecte qu'on ne bouge pas, donc tenir compte de cette information-là et on sait qu'on n'a pas fait un saut de 1 mètre, donc du coup, il y a une des valeurs qui est fausse, par exemple, on l'élimine, ou faire une moyenne d'une manière différente parce qu'on sait qu'on bouge ou qu'on ne bouge pas. Donc oui, exactement ça. Après, c'est de l'hybridation de capteurs, c'est encore un autre sujet. Oui, est-ce que des obstacles en fait qui sont stables peuvent pas servir de point de référence en fait, puisque en fait on voit que les obstacles ils vous gênent beaucoup dans les calculs. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de calculer que ces obstacles sont des points de référence? Alors si, donc ça, là on rentre dans des trucs assez pointus, mais j'ai vu un papier de recherche là-dessus qui faisait de la localisation avec une seule encre, mais en connaissant la géométrie de la pièce. L'idée là, c'est que donc, les modules qu'on utilise sont capables de détecter de manière assez précise ce qu'on appelle des multitrajets. C'est donc dans l'exemple de ce rail là, on a quand on envoie un message, donc on a le message qui va être envoyé directement et reçu directement, mais on va aussi avoir le même message qui va être réfléchi par le tableau et qui va revenir. Donc là on a en fait deux réceptions pour un seul message envoyé. Et donc il y a des chercheurs qui ont généralisé ce principe là en disant on va utiliser toutes les réflexions sur tous les murs, les vitres, les tableaux et tout ça, et on va calculer des positions à partir de ça. Du coup, alors, ça fonctionne. L'inconvénient, c'est que ça demande une très bonne connaissance des obstacles. Ils avaient besoin, par exemple, d'avoir la géométrie de la pièce de manière assez précise, savoir que là, on a un tableau métallique, là, on a un mur de tel matériau qui réfléchit les ondes de telle manière. Le plafond, c'était un plafond avec un certain autre matériau qu'il fallait connaître. Donc, oui, on peut s'en servir. C'est pas forcément trivial non plus. Même avec un système de sonar qui, justement, par rapport à la vitesse de réflexion, il ne pourrait pas calculer ça? Alors, c'est-à-dire un sonar. C'est rajouter un sonar pour faire la cartographie de la salle. C'est de la triche. On rentre dans des trucs très, très poussés. C'est vachement intéressant, si vous voulez, on peut en reparler après, mais là, je pense que... je pourrais en parler pendant 2 heures, et on n'a pas 2 heures. Ok, merci à tous pour vos questions. Et on est par là, si vous voulez. Merci.